L'Europe va beaucoup moins briller parce que les paillettes, c'est terminé. Ça pollue beaucoup, beaucoup trop, et la Commission européenne a décidé de les interdire à partir du 16 octobre. Et là, vous devez vous dire, mais tranquille, j'utilise pas des paillettes tous les jours. Bah, il y en a quand même dans plein de choses qu'on utilise au quotidien. Les cosmétiques, les fringues, les jouets, et globalement tout ce qui est relié aux loisirs créatifs, hein. Dès la semaine prochaine, les premières à être interdites, ce sont les paillettes dites libres, et les cosmétiques contenant des microbilles plastiques, comme les gommages par exemple. Pour les autres types de paillettes, ils auront un peu plus de temps pour se faire à l'idée. Les gels douche ou tous les produits à rincer contenant des paillettes ont 4 ans pour changer ou disparaître des rayons. Les détergents et produits ménagers ont 5 ans devant eux. Les billes de remplissage qu'on retrouve sur les terrains de foot ont 8 ans. Et pour tout ce qui est relié au maquillage, 12 ans. Donc du calme, faites pas comme les Allemands qui se sont rués dans les magasins pour racheter des paillettes, vous en trouverez encore pour Noël.